Ahmed Silla a fait la promotion de son spectacle, Origami, sur Europe 1, ce dimanche 7 janvier. Un art qui lui a permis d'embrasser des filles lorsqu'il était plus jeune. L'année a à peine commencé qu'Ahmed Silla est déjà en promotion pour son nouveau spectacle. L'humoriste est en tournée dans toute la France, jusqu'en avril 2025, avec son seul en scène intitulé Origami. Invité dans l'émission d'Europe 1 Les Incontournables, ce dimanche 7 janvier, il a expliqué pourquoi il avait choisi ce nom. On peut tout faire en origami avec une feuille de papier et c'est ce qui me définit un petit peu. Je suis plusieurs personnages. Je suis tout ça à la fois. Et comme je cherchais une manière originale de décrire cette singularité, je me suis dit, ah tiens, origami, c'est pas mal, a-t-il dit au micro de Julia Vignali. Et la journaliste a réussi à lui faire dire d'autres choses concernant cet art du pliage. C'est en effet grâce à cette technique qu'Ahmed Silla a réussi à embrasser certaines filles lorsqu'il était enfant. Quand il était enfant, Ahmed Silla avait développé une combine pour obtenir des bisous. L'humoriste et acteur a rappelé aux souvenirs des auditeurs d'Europe 1 les fameuses cocottes en papier qui cachaient des gages ou des filles pour celles et ceux qui jouaient avec. J'en faisais en cours, notamment, ça m'arrivait. Il y avait la cocotte en papier où on comptait et c'est comme ça que je draguais les filles. J'obtenais des bisous sur papier, a-t-il expliqué en riant. La combine est simple. Dans chacune des cases de sa cocotte, Ahmed Silla écrivait un défi, il y avait « tu me fais un bisou, je te donne un bonbon ». Une stratégie qui s'est donc révélée payante lorsqu'il était plus jeune. Ahmed Silla est à l'affiche d'un film sportif en ce début d'année en plus de son spectacle. Ahmed Silla est à l'affiche d'un film réalisé par Ali Mariar intitulé Comme un prince, qui sortira le 17 janvier au cinéma. Il y incarne Suleyman, un champion de boxe de 27 ans qui se voit condamné à des travaux d'intérêt général après une bagarre. Il doit les effectuer au château de Chambord. Là, il rencontre Mélissa, une adolescente qui s'avère être très douée en boxe, et décide de la coacher en secret. Article écrit en collaboration avec Cimedia. I just need